Oui, un sou à panel ça. Monsieur Espérance, bonjour, comment est-ce? Bonjour et toute équipe magistrat et nous là oui et Nakembe, nous sommes disponibles pour nous faire parler avec le matin. Oui, justement. Et un sujet épineux que n'a pas touché maintenant, c'est la situation des détenus. Je nous ai dit ça. Et dans la prison civile, Jacques Mellan a gagné plusieurs détenus, soit 17 au total, au cours de l'année 2022, à qui est mort. Ben, on est capable de faire une synthèse pour nous de situation prisonnier dans la prison en Haïti, dans le contexte d'insécurité, ça, et on a ajouté les deux crises carburant ça, dans le pays, M. Espérance. Et situation est détenue et nous capables de dire yo pi mal yo vin et aggravé et par rapport avec Jean Satéye et avant et situation détenue yo vin pi mal par rapport avec son ouais qui a passé et en la pays et j'en dis là ou bien une question phénomène gangstérisation et sécurité hein? Et puis ajouter avec ça incapacité et l'État pour et faire que gazio arrive dans pompe et les gazio et camion gazio sorti et dans terminal côté il a chargé gaz et fait arriver dans pompe. Donc et ces situations générales là. Mais maintenant soit regarder alors Jean nous dit l'article là et pendant l'année 2010 2021 ou bien 17 et détenus qui mourent dans et prison civile et Jacmel et pour tout pays et lit avoisiné 70 prisonniers. Mourir dans quoi des bouquins? Dans la prison civile Port-au-Prince, et Petit Gouave, et Sud, Les Cayes, etc. Et avant, et jusqu'à 2017, et avant, et après la justice a été bloquée Magique 9, net, toute nouvelle sans et stress. Sous quantité de monde ou bien qui t'apprend une décision de justice, ça nous relie des détentions prolongées là. L'IT environ 88-89%. Et nous connaissons depuis 2018, pour arriver 2021, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, la justice haïtienne a fonctionné en moyenne 4 mois sur l'année. Et sous équipe qui est sous pouvoir, coalition qui est sous pouvoir, qui vient en tête du docteur Ariel Henry, et la justice haïtienne là, bien fonctionné, qu'on y est là environ un mois, et sorti août, mois d'août 2021, pour y venir aujourd'hui. Et qu'on y a, on a compris que détention pour éventuellement prolongée à Livine. Et augmenter les conditions détenues depuis et pi mal conditions monde qui n'a prison qui ça fait monde ça mourir c'est grand goût malnutrition yo mal manger et puis et yo pas arrivé joindre soin à temps et un monde qui privé de liberté li un monde qui n'a prison et ou sous compte l'État. Et l'État a des obligations pour et bon soin santé pendant la prison et bon bail manger tout. Il y a plus gros problème alors il y a une cause qui fait problème ça. Ou bien d'abord depuis 1er juin 2021 côté que le département de l'Ouest là qui coupé avec et quatre départements, et puis on partit dans le département de l'Ouest, on a parlé des problèmes qu'on a dans la zone Matissan, et puis on a un phénomène gangsterisation qui vient, et gang qui vient plus puissant sous l'équipe qui est sous pouvoir, et c'est vrai,
si on moun ap sorti n'importe où presque pour aller dans la Tibonite pour passer et cabaret pour passer et titanien c'est veiller pour veiller et c'est même bagaille tout le sous le passé et sorti pour de Prince pour aller dans nord dans nord soit passer dans zone pas des bouquets c'est même et situation ça veut dire et ça qui t'a pour arriver joindre et prison yo yo pas arriver joindre yo et attend et lui agent et prison yo agent d'abio qui se dit sur administration pénitentiaire yo nan même situation tout situation insécurité a et yo pas capable arriver dans poste yo attend yo pas capable faire travail yo tout ouais et puis ajouter avec tout ça et ou gen fournisseur tout et moun ki bay prison gaz et manger et souvent l'état pas respecte engagement que yo gen avec yo à temps et ça arrive tout qualité manger ki a bay la et bon ça son l'autre problème ouais donc l'aime dit donc mes situations l'aime dit qualité manger donc on est manger au fait et en prison mais situation et prison qu'on gagne en d'un pays par exemple en Afrique nous on parlait de prison et Jacques Mel côté nous par exemple mais dans le département sud de ça Jacques Mel et plus passé 90% détenus il y a et monde qui dans prison yo a pris une décision de justice ça nous est détention préventive volontaire et sous garde par exemple dans juridiction pour le prince on pas prendre mon rien et quoi des bouquets la justice haïtienne là et presque pas fonctionner il va fonctionner la juridiction ça et je dis là et en Haïti on me demande n'importe avocat sous et Jovenel Moïse sorti 2018 pour arriver et 2021 et avocat yo pas de cal vivre des professions parce que la justice a fonctionné chaque mois et son année et journée jeudi a les pirates toujours et nous connaît et la cour le cour cassation n'est pas fonctionné dit dysfonctionnel donc mais réalité qu'on gagne et en d'un pays a et au pas et OK faut qu'il fait et pas gagne pas jamais gagne shit attendre qu'il fait avec acteur et yo qui intéressé dans question et prison la question la justice et pagain et acteur pagain chita dans les fêtes et m'a dit nous équipe ça qui sous pouvoir yo ignorer et bon yo ignorer totalement organisation et institution qui et capable intervenir dans question et la justice dans question et de sous droit détenu et c'est même avec réalité là pour ou même moi-même et citoyen yo et en d'un pays là que équipe qui sous pouvoir pas reconnaître droit que nous gagne même droit à la vie même effort yo pas fait pour bail sécurité c'est ça qui fait que les situations li comme ça donc si nous même qui là qui pas dans prison yo pas reconnaître droit nous donc c'est ça pire c'est pire situation plus grave. Mm-hmm. Pour détenir. Oui, on parlait de 70 prisonniers qui mourent. Ils ont mouru de quelle cause? Eh bien, moi, oui, c'est malnutrition. Mm-hmm. Ça veut dire mal manger. Mm-hmm. Et puis, et en pile là, dans même malnutrition, ça, il y a une condition, il y a une prison, il y a une malade. Et les malades, ils n'ont pas arrivé à un soin à temps. Ma bon exemple, oui. En novembre 2021, tout le monde connaît, il y en a un détenu, pas n'importe détenu, et un qui est un élément clé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, il est en prison, il fait COVID. L'air mené l'hôpital, il n'y pas même fait un bon 3 temps dans l'hôpital là, il mourit, oui.
parce que il y a pas de l'hôpital et attends. Donc c'est toute raison ça. Hein? Ouais, c'est très dit moi non face et autorité qui pas reconnaître droit nous même droit et nous en tant que monde pour nous vivre pour nous exister. Une mission première et autorité c'est garantir sécurité et monde garantir vie et protéger vie avec bien. Et ben je dis à ça n'a vivre en Haïti son négation totale oui des questions et droit monde et j'aimerais toujours dire pour nous qu'on a pas ça souvent dans micro ça et ben dans tout pays ou bien indicateur qui montre que pays a pas vers état des droits c'est les autorités qui ont fait effort pour renforcer l'institution yo reconnaître droit que nous gagne etc. Mais en Haïti tout indicateur dans question état des droits yo au rouge. Oh, regardez ce qui a passé en Haïti là. Depuis fin mai 2022, aucun monde pas capable de prendre une machine ou bien prendre une motocyclette pour entrer dans une pompe de gasoline pour aller faire gaz. Mais gaz rentré dans le pays, eh bien, c'est pouvoir même, oui, et monde qui puissant. Dans l'État, qui est dans la coalition, qui est sous pouvoir, que tout le monde connaît, qui les gaz, parce qu'il y a des pompes de gasoline, on a pu appeler, quantité de pompes, quantité d'autorisation, et qui te baille pour petit 4 pour des nouvelles pompes de gasoline, avant l'équipe PHTK, la première version, a été quittée. T'es qui des pouvoirs. Eh ben, mon gars fait trafic d'armes et trafic gaz et calvanio et sous frontière. Il y a une coalition qui sous pouvoir oui. Et l'État qu'on est, oui. La justice qu'on est, oui. Commissaire gouvernement qu'on est, oui. La police qu'on est, oui. Parlant en fait, non. Eh ben c'est tout bagage ça oui, qui mettait nous dans la situation que nous y a. Et puis, c'est, malheureusement, nous avons un peuple qui acceptait de vivre et à genoux, qui acceptait la situation en janvier. Mm-hmm. Et qu'il n'y a pas fait rien comme quoi c'est normal pour le monde. Et déjà, pour le monde, c'est un galon de gaz. Et la pompe là, c'est en bas. En plus de difficultés pour la majorité de la population par rapport à la situation économique pays ailleurs. Mais je ne vous dis pas, il n'y a pas ce qui 50 fois plus cher. Et puis, nous ne pas rien. Nous ne pas rien. Donc, dans toute société, si c'est croisé, la population a croisé pour être libre. Et pour chaque monde a payé. Chercher qui bagaille pas yo. Eh bien, n'a pris comme ça. Et n'a pris tout bagaille libre sous nous. Laisse ça. Il y a trop tard, oui. Donc, faut que la population pas accepter vivre à genoux. C'est pour camper, pour défendre le droit yo. Plutôt mourir debout au lieu de vivre à genoux. Vivre à genoux, ça veut dire qu'on n'y a pas considéré comme monde. Mm-hmm. Ok. Maintenant, au milieu de semaine, gagné président dominicain qui prend une décision pour gagner deux Haïtiens par entrer sur un territoire dominicain. Haïtien ça a gagné pas moins de 12 chefs de gang et dans mon ça a tout gagné ancien premier ministre haïtien. Sous administration Jovenel Moïse, là, Claude Joseph. Qui position est VNDDH sur la décision ça que le président dominicain prend? Tout d'abord, alors, ça c'est une décision politique liée et c'est pas une décision d'une institution et
là pour là, qui là pour ça, qui a fait travail yo avec indépendance, yo, avec toute autonomie, yo, et à partir des dossiers qui ont monté, et que yo joignent monde qui est, bah, on est, qui est criminel, soit, et qui a fait trafic sur le territoire, yo, et qui mettait les citoyens pays yo, en danger, qui ont pris une décision comme ça. Donc, son décision est politique. Et l'organe, yo, dans la décision, ça, yo vini avec non plusieurs chefs gang, et yo vini ajouter, yo associé un ancien premier ministre, et avec ça. Son décision politique, et pour qui ça? C'est parce que, et pour nous-mêmes, le Claude Joseph, t'es ministre affaires étrangères, il t'a fait des déclarations, et qui pas de faire autorité dominicaine et plaisir, ces déclarations en faveur haïtien en République et dominicaine. Son décision, pour moi-même, raciste, et qui montrait, et Jean Dominique est fréquent, Jean est arrogant, il n'a pas considéré nous comme peuple, il n'a pas considéré nous comme monde, et depuis, et il a joué tout avec ça, du monde en Haïti, des autorités, monde qui n'a entourage et pouvoir, et qui soumis avec nous-mêmes, qui comportait comme esclaves, et qui d'accord et avec ça. Moi-même, je suis d'accord comme défenseur de la monde, je suis applaudi une décision et comme ça, si c'est à partir des dossiers qui ont monté, à partir des qui montaient au niveau des institutions en République dominicaine, qui là pour ça, qui montrait lien et Claude et Joseph gagnait avec gang pendant qu'il était ministre affaires étrangères ou bien premier ministre. Et il y a des monde qui pour être capable de justifier et ça et président dominicain a fait, il y a d'où que service et l'enseignement et dominicain yo et yo grand pile d'information, yo travaille avec FBI, CIA et etc. C'est une façon pour capable justifier. Alors que nous gen là dans pays pas noir en Haïti où on pas qu'un exam avec cartouche qui sorti en République dominicaine qui rentre en Haïti, et s'il vous plaît, en pile la monde qui fait c'est général dominicain, militaire dominicain. Donc ça veut dire service et renseignement dominicain pas existé pour ça. Alors que ces mêmes armes ça avec munitions qui fait yo kon et attaquer et même kidnapper citoyens dominicains en Haïti, et puis tout gagner et en pile dominicain qui n'a gang et n'a pays comme quoi service renseignement dominicain pas existé pour moun sa yo. Et moi-même moi penser et gen pile bagay pour moun reprocher en pile moun qui t'a servi administration Jovenel Moïse, particulièrement lors des poste premier ministre et ministre en pile gen pile bagay pour reprocher en pile là-dedans. Et cependant son pays que nous gagne, c'est pas le fait que nous parce que nous pas d'accord avec le monde et puis là où ouais et n'importe monde n'importe pays et a fait des bagages contre un citoyen contre monde ça et puis ça pour pas applaudir. Et moi même m'a dit si moi te gagne dans même un rapport ou bien information de yo institution en République et dominicaine à partir des informations qui ont monté et que ils ont pris une décision comme ça, et donc moi-même et nous t'applaudis ça, mais ça sont décisions racistes, sont décisions
et politique, parce que un monde qui était autorité en Haïti et osé critiquer et autorité dominicaine yo, par rapport avec comportement yo gen vis-à-vis et compatriotes nous en République dominicaine. N'a pas rappelé bon paquet monde qui est impliqué ou bien qui indexé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a une République dominicaine qui a fait va-et-vient entre Haïti et République dominicaine. Côté service renseignement dominicain, pour ça, pas arrêté. L'air est arrivé à arrêter Jodol Ja. Ja, c'est et à partir de l'entente qui a été fait, en décembre 2021 avec FBI, et puis monsieur décide d'aller en République dominicaine en janvier. Et puis, li entendu avec FBI, yo prani, yo voye aux États-Unis. Gen pile l'autre monde tout, qui est, pour petit deux, qui je ne veux dire, en prison aux États-Unis, c'est en République dominicaine, yo passé, yo allé Jamaïque, et c'est des Jamaïques, et la justice américaine, FBI, interrogé yo. Et, nous-mêmes, après dit encore, nous considérons décision ça comme une décision raciste qui montrait que arrogance autorité dominicaine et que malheureusement ou loin du monde en Haïti qui a des comportements esclaves mental et que qui a applaudi une décision et pareil même là en pile bagaille pour reprocher Claude Joseph et en pile l'autre monde qui était occupé des fonctions sous administration et Jovenel et Moïse. Oui, et pas d'accord touché point côté que il y a un pile monde qui indexé dans assassinat et ancien président Jovenel Moïse là qui a fait va-et-vient en République dominicaine et service et parmi yo parrain là il a joué tout en République dominicaine. Nous on guess parrain là? Non. Joseph Michel Matéli. OK. Bon. Oui, et service renseignement République dominicaine n'est pas dit rien. On nous dit qu'il y a un cinquième juge sous dossier et ancien président Jovenel Moïse là, il était écrit il était mettre un communiqué de mercredi qui était 31 août là pour te faire doyen avec commissaire gouvernement qu'on est li pas capable respecter délai 3 mois et yo te mandé pour instruire dossier et dans communiqué ça li pas vraiment mandé yon prorogation nous c'est après li vin soit attendé au moins deux moun et dans quatre dossiers ça qui ça veut dire nous même dans RNDDH. Ah OK. Et ça, j'ai volé faire, et semaine passée, le livre en ordonnance pour lui justifier dans l'ordonnance ça, côté qu'il était dans l'impossibilité pour lui être fini avec et en tête lui, et l'ordonnance lui, dans trois mois qu'il était gagné, ouais. Et décision ça est correcte, et ordonnance est correcte. Et nous applaudissons pour plusieurs raisons. Et Léon nommé J. Voltaire sous dossier ça, et il était pour un bon petit temps avant il était bali un espace pour y joindre travail. Pour lui commencer travail. Entre Léon bali l'espace ça, avec Léon il prend connaissance dossier, et il était prend environ 5 à 6 semaines. Et ça veut dire que tant que le dégain, il va pas et fini avec enquête il y a, et pour lui rendre ordonnance liée, et nous applaudissons ça. Et il n'y a pas besoin de demander doyen ou autorisation pour lui continuer ordonnance, et enquête li. Et il rend ordonnance, il justifie décision, et comme il y a là, il et fait ça la loi dit et la continuer inspection. Cependant, et nous reconnaître que son juge qui rend en pile, il a jeune garçon,
yo mettez en condition pour faire travail li, c'est pour aller pipi. Dans respect pour moun ki nan prison yo, à tort ou à raison, ça fait longtemps. Et moun ki gen mandat ki décerné contre à tort ou à raison, et puis moun ki gen interdiction et départ. Et nous te reproché juge là, et nan, ne pas d'accord avec juge là, nan, li te commencé avec premier et acte instruction ni, c'était témoin qu'il était invité, alors que gagnons ban à un paquet de monde qui est en prison et gon rapport pour les judiciaires et il pas commencé tant des monde ça yo. Il était venu ressaisir lui et nous ouais la tant des monde qui est en prison yo sont bon bagaille. Et nous apprendre que semaine ça et li bay la police judiciaire yon commission rogatoire et DCPJ pour continuer enquête là, nous avons dit ça parce que DCPJ première enquête qui a été fait avec premier rapport partiel qui a été et remettre, eh ben il a été seulement exploré environ 15% dans ça qui a été fait et un paquet de travail qui était et pour faire. Et moi, espérer avec sérénité, ni juge, ni la police judiciaire, ni DCPJ, et continuer l'enquête là, et pour et dossier ça capable et avancer. Ça veut dire, ou remarquez qu'on espoir dans le dossier, ou remarquez qu'on espoir que le président Jovenel Moïse a joué une justice? Je ne peux pas dire ça. Mais ça me capable de dire, moi, ouais, bon, qui souffre quoi, et qu'a fait, le dossier, parce que quand même, on paquet de monde qui est en prison, on y a plus passé un an, et en prison, et le fait qu'il commence à tendre, il y a une commission, et au gars, il y a souffre quoi. On ne peut pas le dire, on s'en même, on qui souffre quoi, et qu'a fait, et son bon bagaille, et on a demandé au juge là, pour aller, et plus vite, et dans sens ça en même temps tout et nous gain pour nous écrire inspection générale de la police sur ça mais on a profité de ça et la police judiciaire et gain en pile policier dans DCPJ c'est pas tout non en pile là-dedans et qui gain des comportements souvent qui pas correct qui ça au fait là par exemple il a fait saisie et dans cadre d'enquête qui a mené la Caïmoun ou bien dans une institution, il y a des équipements qui ont pris, et tant que machine moun et l'autre, et tant particulièrement machine yo, yo pran yo, ya poule yo, yo utilise yo, et pour faire mes activités personnelles yo, et puis, tout effort moun yo fait, yo par exemple capable de récupérer et machine ça ou bien ça et fort directeur de CPJ a et corriger situation ça directeur général la police a, et inspection générale la police nous mes policiers de CPJ yo yo fait un pile effort pour yo faire travail yo mais fort yo faire li dans respect la loi pas prendre bien monde pas prendre bien institution pour n'utiliser yo à des fins et personnelles. Même Jean Tour, c'est même juge ça qui a un dossier pour des PA dans Meni et li poko bay DCPJ en commission rogatoire. DCPJ pour confiner avec enquête li, faut qu'il fasse. Parce que pour qui ça fait nous insister sous commission rogatoire, côté juge Chita dans le bureau, il n'est pas capable de mener enquête là contre eux. Il y a des travails, il y a des informations, il y a des données qui ont besoin, c'est des CPI qui sont capables d'aider eux et faire ce qu'ils font. Et souvent, ça arrive plusieurs fois. Les DCPJ remettent un rapport partiel parce qu'il y a des pressions, il y a des gens en prison, et sous compte-là, eh bien,
yo pas fini avec enquête là. C'est ça que fait, il toujours recommandé que yo bail commission et rogatoire pour enquête là capable aboutir. Et sous enquête qui a fait sous et conteneur que yo t'ai découvert dans les douanes Port-au-Prince qui est impliqué l'église épiscopale monsieur Espérance. Alors et sous enquête alors sous conteneur que yo t'ai découvert dans et qui gagne examen et là-dedans côté que conteneur ça t'est venu sous nom l'église épiscopale et bon et jusqu'au moment qu'on a parlé là et nous gagnons trois moun que la police judiciaire t'a arrêté et BLTS et donc BLTS c'est maître à poli et dossier ça dynamé et juge et Chaval et on l'autre côté où gen moun tout baf et arrêté et ça c'est moun qui est dans l'église épiscopale et tant qu'on paix avec un et comptable l'église là et baf et pour qu'on remettre rapport pas faut lui mettre lui faut lui mettre rapport partiel là et puis et qu'on est là si juge la pral bay commission rogatoire pour lui capable et enquête la continuer mais malheureusement et au niveau et la justice par cabinet d'instruction non Jean dossier l'arrivée dans les paquets saisis de dossier yo pas mené dossier yo pas traité dossier ça avec sérénité et qui fait que bon paquet non dit non et Jean yo et a traité de ce ça sur place et public au commencement hein n'a bien sous ça puis tari puis devant et na RNDDH et faut que nous prononcions nous sous ça et tout ça nous connaît nous obligé deal avec public là et alors souvent mon yo a dit que il contenait l'église épiscopale alors contenait ça m'a pas dit contenait ça même c'est des monde dans l'église là qui influent dans l'église là qui nous trouve à l'église là qui vend qui fait trafic avec et franchise l'église là et côté qui nous permet pas monde utiliser et puis mon yo vient faire contenait c'est pas l'église c'est pas l'église contenait pas tout et l'église là c'est ça que fait et nous dit faut enquête là et mener avec sérénité et moun en dans l'église qui proche l'église là qui utilise et franchise l'église là pour faire ça faut yo et sanctionner yo sans aucune considération d'ordre politique et conflit social. Merci, monsieur Espérance, pour la disponibilité à Magic 9 matin. Kembe FM, bon travail, continuez à informer, éduquer vos